Marcel et le lac miroitant. Marcel était une souris grise. Il vivait près d'un lac paisible. Le lac brillait sous les rayons du soleil. Différents arbres dansaient autour du bord de l'eau. Le lac était un endroit où Marcel se sentait heureux. Il s'asseyait là, écoutant le chant des oiseaux. Pour Marcel, les douces vagues étaient des chants de détente. Il fermait souvent les yeux. Il imaginait les nuages flotter comme des bateaux doux. Un jour, Marcel rentra Léonie, une grenouille trans. Elle aimait jouer la flûte près du lac. Sa musique était douce et apaisante. Marcel et Léonie devinrent amis. Ils partageaient des moments de tranquillité. Ensemble, ils respiraient profondément, remplis de sérénité. Sous l'écorce d'un chêne, ils trouvèrent une peinture. C'était une carte au trésor. Le trésor était caché quelque part autour du lac. Les deux amis décidèrent de chercher le trésor. Ils prirent un bateau et rameraient doucement. Ils s'amusèrent ensemble, explorant et riant. Sur l'île au centre du lac, ils trouvèrent le trésor. C'était une boîte pleine de souvenirs heureux. Marcel et Léonie comprirent que le vrai trésor, c'était leur amitié. Avec la boîte des souvenirs, ils organisèrent une petite fête. Les animaux du lac vinrent partager le bonheur. Chacun trouva un souvenir qui le fit sourire. Marcel apprit une leçon importante. Il comprit que la détente et l'amitié comptaient plus que tout. Le lac devint son refuge, rempli de rire et de paix. Téléchargez maintenant et découvrez de nouvelles histoires chaque jour.